Salut à tous, bienvenue à nouveau dans Identity 5 en français. Ça fait super plaisir de refaire une vidéo pour vous. Donc voilà, je sais, j'ai été absente super longtemps. Pourquoi ? Eh bien, il y a plein de raisons. La première raison, c'est mon téléphone qui me faisait plein de problèmes. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais un nouveau téléphone. Et en fait, à chaque fois que je jouais, eh ben le son, le micro en fait, est mis à un endroit où il suffit que je touche avec mes doigts pour qu'on n'entende plus rien ou que ça crache. Ce qui fait que je me retrouvais à faire des vidéos, à penser qu'elles étaient bien, et puis ensuite, on entendait que dalle. Ou alors la moitié de la vidéo comme ça, tranquille. Bref, donc déjà, ça m'est arrivé tellement de fois. Chaque fois, je faisais attention, mais au final, non, ça marche pas. Ça m'a déjà répété. Puis, autre chose, j'ai eu aussi des réclamations de droits d'auteur sur certaines vidéos que j'ai faites. C'est des vidéos, notamment, de trailer pour quand un nouveau personnage va arriver. En fait, je traduisais donc le trailer. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des réclamations comme quoi je pouvais pas faire ça. Et si je supprimais pas les vidéos, j'allais avoir des ennuis. Donc j'ai supprimé ces vidéos et vous comprenez que quand on passe 2 heures à faire une vidéo, à mettre des sous-titres. En fait, les sous-titres, c'est pas juste traduire ce que j'entends. Il faut que je calibre au quart de seconde près pour que le texte arrive bien au bon moment. Il faut aussi que parfois je réduise les phrases. Parce que vous savez, quand vous voyez la vidéo, le texte parfois il dure, je sais pas, 3 secondes. Et donc je peux pas traduire avec plein de détails parfois parce que j'ai pas le temps de lire. Par exemple, les mots en français sont plus longs que ceux en anglais et donc je dois arranger tout ça. Et puis il y a le montage, etc. Enfin, vous imaginez bien, ça me prend du temps. Alors quand j'avais les vidéos supprimées, je vous dis pas. Pour combler le tout là, je voulais te faire cette vidéo. J'étais toute contente, je me dis ouais, je vais la poster. Et qu'est-ce que je vois? Je sais pas pourquoi. Le son fonctionne au début, et puis ensuite, il disparaissait. Donc je suis en train de refaire cette vidéo. Oui. Je vous jure que... c'est à tourner tout, en fait. Et hormis tous ces problèmes techniques, j'ai eu une de ces années pourries. Et c'est toujours pas fini. Et quand je dis pourrie, c'est genre 3 décès, l'annonce de 2 maladies graves. Le genre de truc, vous voyez, où... Vous savez, vous comprenez plus rien à la vie, quoi. Et puis, du coup, je suis partie en vacances avant d'apprendre un décès, autre et une maladie. Je suis partie en vacances en me disant ça va me changer les idées. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Je me suis pété la jambe. Mais quand je vous dis pété la jambe, c'est de la cheville jusqu'au genou. Très mal, on a dû m'opérer. Je vous passe les détails parce que c'est vraiment dégueulasse. On a dû me mettre des vis et je me suis déchiré le ligament. Enfin bref, ce que vous voulez. Et suite à ça, j'ai été 6 semaines dans le plâtre, donc la folie. Et là, je suis en train de réapprendre à marcher avec un kiné. Ouais. Donc tout ça m'a donné envie en fait, tout ça, je veux dire, j'ai eu le temps quoi, de me dire, tiens, je vais réessayer Identity 5, vu que là, en gros, quand vous avez la jambe dans le plâtre comme ça,
Enfin, c'est juste, vous passez votre temps chez vous, en fait. On m'a dit, oui, 23h sur 24, tu dois laisser ta jambe en l'air. J'ai aucune super. Je vous dis même pas la vie pendant 6 semaines, ça a été joyeux de fou. Donc, l'avantage quand même, j'ai pas dû faire de courses et j'ai pas dû faire à manger. Oh. Ça, et pas dû sortir les poubelles ni faire le ménage. Ça, j'avoue pour ça. Merci le plâtre. Mais à part ça, c'est vraiment foireux. D'ailleurs, si vous avez déjà eu un plâtre, vous pouvez m'en parler en commentaire parce que franchement, je compatis les amis. Et bien donc, à part tout ça. Mais c'est déjà pas mal en fait, problèmes techniques, maladies, décès et accidents. Ce qui fait que voilà, c'est l'année bien pourrie. Mais là, ça fait quelque temps que je rejoue. Donc, je me suis dit, bah tiens, voyons un peu comment Identify va évoluer. J'avoue qu'il y a pas mal de trucs intéressants dans l'évolution, notamment au niveau des ranks. J'aime bien le fait qu'on puisse bloquer un personnage et aussi que je sois plusieurs fois le même personnage. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée. J'ai aussi découvert Little Girl. Et j'avoue qu'en fait, Little Girl, je l'ai testé. Et je suis pas mal douée avec elle. Et du coup, je trouve ça sympa. J'ai même vu le badge C. C, c'est quand on est entre 300 et 500 du serveur. Donc, je pense que c'est déjà pas mal, hein. À ce niveau-là, j'ai joué beaucoup avec elle. Et puis je me suis dit, tiens, j'essaierai bien Bloody Mary. Enfin, Bloody Queen, pardon. Bloody Mary, c'est autre chose. Tiens, j'essaierai bien. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'ai des super bonnes stats avec elle. Donc, je commence un peu à jouer vachement avec elle. Je vous montre. Je sais plus dans quoi je dois aller, je crois. Caractère, peut-être. Non, c'est pas là. Là, c'est les ranks, en fait. Mais j'ai pas encore fait de rank avec elle. Voilà, c'est ici. Donc, on voit ici, j'ai 79% de réussite. Et ça, c'est sans compter qu'au début, je jouais avec. Le photographeur là, et j'avoue, je jouais un peu parfois pour m'amuser quoi. J'ai laissé parfois des gens gagner. Enfin bref, du coup, ouais, quand même, je trouve que le taux que j'ai vaut la peine de continuer. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo de mon gameplay avec Bloody. Queen, je ne me trompe pas cette fois-ci. Donc, ce que je vais faire pour éviter d'avoir ce problème de son, c'est que je vais aller dans les enregistrements et là, je vais aller dans Bloody Queen et je vais mettre Play. Ce qui va se passer, c'est que vous vous doutez bien que là, c'est pas en direct, mais je vais vous montrer un jeu que je vais faire. Et je vais le commenter comme je l'ai pensé, on va dire. Donc, je vais refaire les commentaires que je me suis dit au moment où je jouais. Alors l'avantage, vous allez voir, c'est que certains personnages... Enfin, on va pouvoir voir ce que font les autres personnages de loin aussi. Donc, c'est pas mal intéressant. Voilà. Et donc, on va démarrer. Attendez. Voilà. Yes. Et c'est parti. Voilà, donc, comme on voit, je vais essayer d'arrêter de dire comme on voit ici, ok, comme vous voyez,
En bleu, on voit donc les machines. En blanc, on voit les petits persos. Mais évidemment, au moment où je jouais, bah, je voyais pas tout ça. Donc, là, ce que j'ai fait au tout début, vous avez vu, je suis restée un petit moment sans bouger. Tout simplement pour avoir le temps que les personnes se bougent sur les machines. Alors, voilà, tout sur le forward. Et puis je me dis, ah tiens, si j'allais tuer Little Girl. Bon d'accord, j'ai un petit peu plus de temps. Autant en profiter, hein, pour un 4 sur 4. Ça, il y a le forward qui est à terre, hein. Mais l'avantage, c'est que si quelqu'un va survivre, il aura le temps de coder. Et puis si personne ne va le donner, moi je peux l'attacher. Et que donc quand on l'attache, ben, ça va être déjà. En fait, je ne sais pas si vous savez ça. Mais quand un perso est sauvé avant la moitié de la barre, il peut être attaché encore deux fois avant de. Par exemple, si Little Girl, elle est. Je crois que. Parce qu'elle a évité de justesse la deuxième moitié. Donc voilà, le forward. Si j'ai réussi à ce qu'il passe ma barre, c'est pas bien. Bref, donc ils ont été tous les deux une fois, c'est déjà pas mal. Et ils sont blessés, donc je peux. Là, on va l'attacher. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui ne peut plus, hein, parce qu'il va aller sauver. D'ailleurs, à ce niveau-là, je conseille de faire sauver la bande d'après. Parce que sinon c'est quand même décodé plus longtemps en fait. Bah ici personne n'a l'air de se soucier d'elle après. Ah, il y a quelqu'un qui s'amène. Maintenant, moi à ce moment-là, je ne voyais pas hein, qu'ils étaient là. Voilà, ils sont. Petit tour sur moi-même. Malheureusement, j'ai pas vu direct qu'il était là. Ah, voilà, là il y a des traces au sol. C'est pas super intéressant, mais c'est bien de le tuer quand même. Hop. Ouais, je tape, mais pour le plaisir de taper parce qu'il y avait personne. Alors l'avantage de ce miroir là, c'est que je peux voir s'il y a des gens qui sont près. Donc je le voyais pas, le bleu. Mais je me suis dit, tiens, allez au fond, là, il y a vraiment des gens qui sont un peu cachés. Et en effet, il y a ce que je trouve. C'est la mécanique. Oh oui, c'est mal. Mais en fait, ils sont tous là. C'est super. Tape sur le prisonnier. Ah, il est bloqué. Oh, il est bloqué. Je vais aller, hein. Non, il faut ouvrir l'armoire et ça m'aurait direct attaché. J'ai plus pensé parce que c'est tellement fort que. Alors à ce niveau là, honnêtement, si quelqu'un est là, je vous conseille de pas aller le sauver. Mais là le fond, je vais aller le sauver. Oh. Qu'est-ce qui se passe du coup ici? Alors, je rattache le pouvoir, c'est bien. Je l'ai attaché une fois, donc il lui reste quelques secondes. Et pourquoi je vous dis de ne pas aller sauver là? Tout simplement parce que c'est une ligne droite pendant très longtemps.
Et du coup, vous avez beaucoup de chance de vous faire taper. Là, comme vous voyez, en fait, je t'ai tapé pile au moment où il essaie de détacher. Parce que dans le jeu, au moment où on tape, quand il y a une action, c'est-à-dire quelqu'un décode, que quelqu'un soigne, que quelqu'un détache, et peut-être d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé, ben, voilà, dès qu'il y a une action comme ça, le fait de taper met directement tout à terre. Alors là, la fille, elle est pas là, mais je ne l'ai pas vue. Qu'elle a fait, je crois que j'ai eu un démon. Non. Ah, là j'ai entendu. Ouais. Je sais qu'elle était là. Sinon, dans l'enregistrement, on voit pas que l'école. Ah, si. Ouais, je vais pas aller à travers. Là, elles sont dans ce petit ballon. Voilà, là, je... Oh, c'est déjà la fin! Ah, j'ai pas eu de pitié pour le coup. Hein. Voilà, c'était une partie avec Bloody Queen. Ah oui, c'est vrai. À la fin, ici. En fait, ça ne s'arrête pas tout seul, donc je dois revenir. Et voilà, on est de retour dans la pièce. Alors, eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, du coup. Et sinon, à part ça... dites-moi aussi de quoi vous allez, qu'est-ce que vous avez fait cette année, est-ce que c'était une année chouette, est-ce que vous jouez toujours à Identity 5, est-ce que ça vous a donné envie de rejouer à Identity 5, parlez-moi aussi de vos exploits dans Identity 5, est-ce que vous avez eu un badge, est-ce que vous êtes passé au niveau au-dessus. Voilà, voilà. Et sinon, au niveau des vidéos, bien en fait en faire une par semaine, toujours le même jour à la même heure. À ce niveau là vous pouvez me dire en commentaire si vous avez une préférence pour le jour et l'heure. Et au niveau des nouvelles vidéos ici pour cette année, je sais qu'il y avait eu plusieurs demandes. Il y avait tout d'abord une demande de vidéo, c'est pas là non plus. Il y a tellement d'options. Voilà. Une demande de vidéo pour voir ma collection là. Bon, je vous spoil pas mon temps. Hein. Il y avait aussi une demande de vidéo pour des explications sur certains personnages. Ici, comme vous voyez à droite, là, c'est marqué Investigate the Room. Puis le mot suivant, je vais pas le prononcer hein, parce que. Voilà, c'est un peu dur à prononcer. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait. Parce que justement, j'ai envie de le découvrir avec vous. Dites-moi si ça vous intéresse. Après, il y a aussi ceci là. Alors, en fait, ça, vous n'avez pas tout ce fait. Ici, quand on va dans déduction. Eh bien, il y a une petite histoire, en fait, donc, du tout début. Je pense que c'est avec les 4 premiers personnages seulement, il me semble qu'ils n'ont rien à ajouter après. Voyons un peu. On ne voit pas par or. Je pensais qu'on pouvait voir par or. Ok, ben, par exemple, le magicien, c'était un des premiers. Ah si, maintenant il y a des histoires là-dessus aussi. Mais du coup, dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais vous faire des petites histoires sur ceux qui en ont. On est pas tous, hein, genre elle et moi pas. Voilà. Je peux aussi vous faire le personnage sur le Hunter, vu que maintenant je joue aussi Hunter. Et
Et pourquoi pas refaire une vidéo aussi sur Persona avec les survivants. Pourquoi pas? Maintenant que je joue, que j'ai joué plus longtemps, je prends de nouvelles infos. Voilà. Et puis vous savez, j'avais aussi les vidéos un peu marrantes. Bref, donc voilà. Dites-moi ce qui vous intéresse. Et puis j'essaierai d'abord de faire ce genre de vidéo là. Et on verra par la suite. Voilà, voilà. Donc, mais surtout, abonnez-vous et activez la clochette pour avoir une notification quand je poste une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas le pouce bleu et de me répondre en commentaire sur les vidéos que vous souhaitez, comment vous allez, quoi de neuf, etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.